Introduction to TCP Networking, OK, TCP IP Networking. Et il y a des questions telles que which of the following protocols are examples of TCP IP Transport Layer Protocols. Donc, cette question porte sur les protocoles, OK, qui sont à la couche transport, OK. Protocols are examples of TCP IP Transport Layer, OK. Nous savons qu'au niveau de la couche transport, il y a deux protocoles. C'est UDP, OK, et TCP. Donc ça c'est cette question par exemple. Après, nous avons une deuxième question qui porte sur, c'est la formulation est la même, mais ici c'est Examples of TCP IP Data Link Layer. OK, data link layer, c'est la deuxième couche. Et ensuite, nous avons une troisième question. The process of HTTP asking TCP to send some data and making sure that it is received correctly is an example of what? OK, HTTP transmet des data et veut que TCP HTTP asking TCP to send some data and making sure it is received correctly. Donc, le fait que TCP envoie des données à, plutôt HTTP envoie des données à TCP, ok, c'est quel un exemple de quoi? Alors là, c'est quelque chose, c'est un concept que nous avons vu une fois. Nous avons dit que un protocole de la couche inférieure, OK, rend des services à la couche supérieure. Donc, nous sommes dans ce contexte. Nous sommes dans le contexte où nous avons un PC ici, PC A, qui veut communiquer avec le PC B, qui est au bout de la connexion. OK, PC B. Supposons que ici c'est l'internet, ok, les deux PC ne sont pas directement connectés, donc ça passe par comme ça. Ici c'est TCP IP network. TCP IP network, nous verrons cela dans certains manuels, ça veut simplement dire l'internet, ok. Au niveau du PCA, la transmission des données respecte les 5 couches, OK, du modèle TCP/IP, ou encore les 7 couches du modèle OSI. Donc, ici nous aurons, prenons l'exemple du modèle TCP/IP, 1, 2, 3, 4, 5. Ici aussi nous aurons 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Les 5 couches. Donc, qui sont Application, Transport, Network, Data Link, Physical. Okay? Donc, la couche physique, la couche transport, la couche réseau, la couche 2, qui est le Data Link, et la couche, la première couche qui est le physico. Lorsqu'un protocole, OK, inférieur rend des services à un protocole supérieur, OK, par exemple ici c'est HTTP, on dit HTTP demande à TCP d'envoyer des data, OK, et que TCP se rassure que ce data soit bien reçu, OK. Nous sommes dans le contexte où, par exemple, le PC A est en train de transmettre une donnée, un paquet. OK, le PC A est en train de transmettre un paquet au PC B. Au niveau du PC A, le data va partir dans ce sens, OK. Le paquet va traverser la couche. Ça va partir, par exemple, de la couche 5. Couche 4, couche 3, couche 2, couche 1. Donc, lorsque la couche
5, on voit le data, ok, à la couche 4 qui est TCP, en demandant à la couche 4 de se rassurer que ce data soit bien reçu, nous sommes dans le contexte de adjacent layer interaction. Adjacent layer, adjacent parce que les deux protocoles sont dans le même système, dans le même PC, dans le même serveur, dans le même équipement, et donc le protocole supérieur demande des services au protocole qui est à la couche inférieure. En d'autres termes, un protocole qui est à la couche inférieure est en train de rendre un service au protocole qui est à la couche supérieure. Donc ça, c'est adjacent layer interaction. Maintenant, après, il pose une question de process of TCP on one computer marking a TCP segment as segment one and the receiving computer. Okay? Then acknowledging the receipt of TCP one is an example of what? Là, maintenant, nous sommes dans le contexte, ok, la question, on dit on one computer, receiving computer. Donc, nous sommes dans le contexte de deux équipements. Deux équipements. Et on dit que TCP d'un côté, on voit un paquet, okay, un segment, et demande au PC qui reçoit d'accuser la réception. Là, nous sommes dans le contexte de same layer interaction. Okay? Nous sommes dans le contexte de TCP ici, qui est en train de communiquer avec TCP de l'autre côté. Et nous savons que lorsque deux systèmes communiquent, il y a une session TCP qui est ouverte, ok, il y a une session TCP session, et c'est pendant cette session que il y a ce qu'on appelle le contrôle, ok, de la transmission, dans le sens que TCP d'un côté va commencer à envoyer des segments et TCP de l'autre côté, au bout de la connexion, va accuser la réception, va dire ok, j'ai reçu le paquet numéro 1, transmets-moi le paquet numéro 2, j'ai reçu le paquet numéro 2, continue à envoyer, ok, jusqu'à ce que TCP du côté a dise ok, c'est le dernier. Maintenant, dans cette session, il y a ce qu'on appelle des flags. Ce sont des concepts que nous verrons. Il y a SYN, ok. SYN ACK. Ok, ce sont des concepts. Et puis ACK. Il y en a plusieurs, mais je pense que CCNA, c'est ce qu'on va voir. Okay? C'est simplement des sync, ça veut dire, est-ce qu'on peut communiquer? Synchronization. Syn ACK, ok, j'accepte qu'on peut communiquer. Ok, acknowledge, ainsi de suite. Après, la transmission des paquets commence au travers de cette session. Et, par exemple, si le PCB ne reçoit pas un paquet pour toutes les raisons possibles, parce que nous sommes dans le réseau TCP/IP, un paquet peut se perdre dans l'Internet, ok? Lorsque nous envoyons une photo, par exemple, une photo a une taille, ok, une photo a une taille par exemple, une photo fait, je donne un exemple comme ça, un mégabyte, ok, parce que les fichiers que nous avons en détail, ok, un mégabyte, le réseau, les interfaces ont ce qu'on appelle le maximum transmission unit, le MTU. Ok? Donc, du coup, TCP sait que je ne peux pas envoyer cette photo en un seul paquet. Je dois créer plusieurs paquets. Ok? Paquet 1, paquet 2, paquet 3, paquet 4, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le data soit transmis. Donc il va commencer à marquer chaque paquet par un numéro, paquet 1, paquet 2, paquet 3, paquet 4, et du coup
C'est ce qui permet de contrôler effectivement que si au total ce fichier fait 100 paquets, exemple, le PCB doit accuser réception des 100 paquets. Si un paquet se perd dans le réseau TCP/IP, le PCA va dire, le PCB va dire, parce qu'au fur et à mesure que le PCA transmet, il dit, PCB, est-ce que tu as reçu le PC, le paquet numéro 4? Si le PCB n'a pas reçu le paquet numéro 4, il va dire, je n'ai pas reçu le paquet numéro 4. Et à partir de ce moment, il y a ce qu'on appelle par la retransmission. Ça, c'est TCP. Voilà pourquoi on dit TCP, c'est comme la transmission par DHL, parce que l'équipement qui reçoit, okay, qui transmet, doit se rassurer que l'équipement qui reçoit accuse la réception. Okay? Il y a une certaine assurance que le paquet sera reçu par le système qui reçoit, par le PC qui reçoit ou le serveur qui reçoit. UDP par contre, parce que UDP c'est également un protocole qui joue le même rôle que TCP, mais UDP ne s'occupe pas de tout cela. UDP, lorsqu'il envoie, il a envoyé, ok? Que tu reçoives ou pas, lui ne s'intéresse pas de cela. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que UDP existe puisque UDP n'est pas fiable? UDP est plus utilisé dans des protocoles qui sont sensibles, ok, qui ne veulent pas cette communication et ces retransmissions. Ok, dans quel sens? Imaginons un appel téléphonique. Un appel téléphonique, c'est une voix, ok? Donc c'est live. Et donc les applications qui utilise la voix, le voice, généralement utilise UDP. Pourquoi? Parce que la retransmission risque de créer comme ce qu'on appelle des retours. Le même paquet est renvoyé. Donc ça va créer vraiment une distorsion de la communication. Ça va vraiment. Donc voilà pourquoi les applications qui utilisent la voix utilisent UDP. Bon, ça c'est vraiment une explication très brève, mais il y a des spécialistes qui font le voice. Si vous êtes intéressé par le voice, au CCNP, vous pouvez vous spécialiser plutôt à ce qu'on appelle par le voice. Ok, voice, c'est ça aussi, c'est pour expliquer que le réseau est vaste. Il y a des gens qui n'étudient que le voice. Voilà, donc ça c'est pour donner un exemple. TCP, ok, fiable. UDP non, n'est pas fiable, mais il y a des avantages à utiliser UDP. Donc ici, la réponse est SameLayer. SameLayer parce que nous avons deux protocoles qui sont à la même couche, qui sont en train de communiquer, mais qui ne sont pas dans le même équipement. SameLayer Interaction. Après, nous avons la question qui parle de Process of Weber et de... Ok, je vais effacer cette partie. Ok. The process of a web server adding TCP to the content of a web page following by adding an IP header and then adding a data link header and trailer is an example of what? Ici, c'est simplement le fait qu'on est en train de nous dire que commençons par le data. Ok. Ça, c'est le data que nous sommes en train de transmettre. Le data. Ok. Data. Ok, et puis lorsque ça arrive à la couche 5, à la couche 4 plutôt, on ajoute le TCP header. Supposons que c'est TCP qui est utilisé. TCP header. Je vais mettre H. Ok, le data ne change pas. Ok, je mets maintenant D seulement. Lorsque ça arrive à la troisième couche, on ajoute le IP header. Je vais mettre IPH pour header. Ok?
Le TCP/header est toujours là. OK? Le data est toujours là. Ensuite, ensuite, cela est transmis à la deuxième couche. OK? La deuxième couche ajoute ce qu'on appelle par le Ethernet header et le trailer. Nous allons mettre Ethernet trailer. OK. Si je veux faire ceci. OK. Le Ethernet à la deuxième couche, c'est la seule couche où on ajoute une fin de message. Donc j'ai la première couche, j'ai la deuxième couche ici, j'ai la troisième couche, j'ai la quatrième couche. À la quatrième couche, c'est la seule couche où on ajoute une fin de message. Et ce champ, le Ethernet Trailer, c'est le FCS. FCS. OK? FCS, c'est pour Frame Check Sequence. Donc, cette partie valide, vérifie si le data n'a pas été corrompu. OK? Si le data a été corrompu, le frame est rejeté. Et ça va générer une erreur dans le système. Donc, nous avons le data, OK? C'est le data à l'intérieur, mais le message, au fur et à mesure qu'il traverse, il change de nom, OK? Oh, j'ai fait l'inverse, excusez, par rapport à ce nom. Je vais effacer. Donc ici, c'est la couche 5. Couche 4, couche 3, couche 2. À la couche 5, le message est appelé data. À la couche 4, le message est appelé segment. À la couche 3, le message est appelé packet. Et à la couche 2, le message est appelé frame. Et maintenant, le IP header contient les adresses IP source et destination. OK? Je vais mettre source et destination. Le Ethernet header, ce qu'il contient, c'est également l'adresse MAC source et destination. En d'autres termes, les adresses physiques source et destination. Donc, le data, c'est ce que nous sommes en train de voir, la photo, OK? Ou peut-être un document, OK? Un fichier PDF. N'importe quoi. OK? Tout ce qu'on peut transmettre au travers du réseau, ça aide dans le data. OK? Je vais envoyer une photo, je vais envoyer un fichier, je vais envoyer un livre. Ça peut être la voix dont nous venons de parler, le voice. Ça aide dans le data. C'est ce qu'on appelle data de façon générale. OK? Le data. Voilà pourquoi on dit que le réseau transmet les données. OK? Les data. Le data, c'est ce que nous transmettons. Mais pour que ce data soit transmis, il y a des mécanismes, OK, qui permettent aux équipements de savoir ce qu'il faut faire avec ce data. Sinon, le data ne va pas arriver à la destination finale. Et dans la communication, il y a ce qu'on appelle source et destination finale. Ça, ce sont des concepts très importants. Source, destination finale. Pourquoi destination finale? Parce que au milieu, lorsque le data est transmis, il passe par plusieurs segments. Okay?
Voilà pourquoi on dit la transmission de la source à la destination finale. Le data, lorsqu'il est créé, ok, si nous sommes en train d'utiliser le protocole HTTP, dans la majorité des cas, ce sera le cas, ok, en utilisant notre navigateur web, si nous sommes en train d'utiliser HTTP, le data est en quelque sorte un HTTP, ok. Donc, HTTP a des mécanismes, nous n'allons pas partir dans ces détails, mais nous savons que le data est créé. Le data, lorsqu'il est envoyé à la quatrième couche a aussi son... il ouvre la session dont nous venons de parler, ok, avec l'équipement qu'il reçoit. Il fait la segmentation, il fait tout son travail. Dès qu'il est prêt, il envoie le segment, puisque là le message est maintenant appelé segment, il envoie le segment à la troisième couche. Lorsque la troisième couche reçoit, la troisième couche, son rôle, c'est la transmission de la source à la destination finale. Donc ce que la troisième couche fait, c'est de prendre l'adresse IP source, ok. Dans le cas de notre exemple, l'adresse IP source, c'est l'adresse IP de ce PCA par exemple. Ok? Supposons que c'est le 10 0 0 1. Et de l'autre côté, nous avons par exemple le 172 16 1 1. Ok? Donc, au champ source, ok, dans le paquet, supposons que dans le paquet, il sera comme ça, ok. Ici, je donne une illustration du paquet. Nous aurons le champ source et le champ destination. Et champ source, il y aura l'adresse IP qui commence par 10. Et champ destination, il y aura l'adresse IP qui commence par 172. Donc, une fois que cela est fait, le paquet est envoyé à la deuxième couche. La deuxième couche crée ce qu'on appelle par le frame. Le frame, lui, va emballer cette partie. Okay, va emballer toute cette partie. Va emballer le IP packet, le TCP segment et le data. En créant le frame, le frame, ce qu'il contient, ce sont les adresses physiques sources, ok, ce qu'on appelle le MAC source et le MAC de destination. Donc, le fait que on ajoute, ok, on est en train d'ajouter un élément sur un autre, tout ce qui se fait ici est appelé encapsulation, ok, parce que nous sommes partis d'une pièce de le data, on a ajouté le segment, on a ajouté le paquet, ça c'est l'encapsulation, on est en train d'encapsuler un message. Lorsque le message arrive de l'autre côté au niveau du PCB, ce sera l'inverse, ok. Ça va partir de la couche, ça va arriver par la couche 1, le câble ou le Wi-Fi, et ça va monter à la couche 2, la couche 3, la couche 4, la couche 5. Et là, ce qui se passe, c'est l'inverse. Ok? C'est le déencapsulation. Donc, l'encapsulation se fait au niveau du PC qui transmet. Ok? Encapsulation. Je vais mettre un cap. Et le déencapsulation se fait au niveau du PC qui reçoit. Déencap. Ok. On va faire le déencapsulation. Ok. Donc ça, c'est la question 5. Après, nous avons une question là. Which of the following terms is used specifically to identify the entity created when encapsulating
data inside data link layer headers and trailers. Ok, là c'est le frame parce que nous savons que c'est à la deuxième couche où nous encapsulations un message dans ce qu'on appelle le Ethernet header. Le Ethernet header est aussi appelé data link header. Data link layer header. Et enfin, which OSI encapsulation term is used instead of the term frame? Ok. Frame, c'est la deuxième couche. Donc, le modèle OSI ne change pas de nom. Ok. Le modèle OSI garde le même nom. C'est data ou PDU. Ok. Et donc, pour la deuxième couche, ce sera layer 2 PDU. Ça, c'est un peu des questions qui résument ce chapitre. Maintenant, Perspective of Networking, ici, c'est simplement donne une idée de la connexion, ok. Comment est-ce que nous connectons nos équipements, ok. Dans un domicile, nous avons par exemple des types de connexions, ça peut être DSL ou encore KTV, ok. Les connexions qui utilisent le coax ou encore des connexions qui utilisent le DSL, et généralement il y a un modem qui nous donne une connexion sans fil, c'est ce qui est plus utilisé de nos jours. Maintenant il y a les types de connexions, on parle de home, de small office, home office, ok. Ici là c'est plus pour les résidences, ok, les maisons et les petits bureaux, ce qu'on appelle les SOHO, et il y a également les enterprise network. Donc ça c'est pour donner une idée. Donc nous allons noter perspective of networking. Donc nous allons dire que on nous donne une idée générale de SOHO, small office, home office. Et le small office, home office, le type de connexion, c'est que ce sera soit un KTV cable, KTV, CATV, cable, ou encore le DSL. Ok. On ne nous demande pas de partir dans les détails, ok, de ces concepts. C'est simplement nous montrer comment est-ce que les résidences, les maisons ou encore les petits bureaux se connectent à l'internet. Le enterprise network, on utilise le Ethernet cable ou encore le wireless. Donc il y a le enterprise network on utilise le Ethernet ou encore wireless. Maintenant, après, on nous parle du TCP/IP networking model. C'est simplement l'architecture, ok, qui contient les protocoles qui permettent aux utilisateurs, en fait, au host de communiquer dans le réseau TCP/IP. Maintenant, qu'est-ce qu'un protocole? Ici, on nous donne la définition du protocole. A set of logical rules that devices must follow to communicate. En fait, il est très important de comprendre qu'en réseau, les équipements pour communiquer doivent suivre des règles, ok. C'est comme deux personnes qui communiquent. Si on ne suit pas une des règles de communication, il y aura le désordre, ok.
Which means if I talk, you keep quiet. When you talk, I must listen to you. Généralement, les incompréhensions commencent lorsque les deux personnes parlent au même moment et puis it's not gonna work. C'est la même chose pour les équipements en réseau. Donc, il y a des protocoles qui définissent des règles que les équipements doivent suivre pour communiquer. Donc, les modèles TCP/IP et OSI, ce qu'ils font, c'est qu'ils structurent, ok? Ils donnent une structure de ces protocoles. Ils disent que tel protocole doit être à telle couche, tel protocole doit être ceci, le data doit passer par là, ainsi de suite, pour qu'il y ait de l'harmonie. Donc, nous n'allons pas nous intéresser vraiment à l'historique, mais nous allons noter TCP, IP, Networking Model. Et ici, le terme qui nous intéresse, c'est protocole. Je vais noter Set of Rules, ok? Set of Rules, Set of Rules. Set of rules that devices must follow to communicate. Ok. Maintenant, après, il y a l'historique du TCP/IP. Comment est-ce que c'est parti? Ce n'est pas vraiment important de se focaliser sur cet historique. Ok. Maintenant, le plus important, je pense que c'est le résumé. Donc, histoire. Okay. Histoire. Recall, on va repartir. History leading to TCP. Après, nous avons overview of TCP IP. Le overview, ça nous donne une idée du modèle TCP/IP. Donc les couches. Donc TCP/IP model both defines and references of large collection of protocols that allow computers to communicate. Donc TCP/IP, on peut dire que TCP/IP. On peut dire que c'est une collection of protocols, ok, that allow computers to communicate. Okay. To define a protocol, TCP/IP use documents called requests for comments. On va dire que protocols are defined by document called requests for comment. On appelle RFC. Ok. The TCP/IP model also avoids repeating work already done by some other standards bodies or vendor consortium by simply referring to standards or protocol created by those groups. Donc, s'il y a déjà un travail qui est fait par d'autres organismes, le TCP/IP ne va pas répéter ce travail. Donc, il va simplement incorporer ces règles dans son modèle. Donc, c'est l'exemple de l'IEEE
Donc, on peut dire ici TCP IP also refers to refers to standards or protocols defined by other organizations. C'est ici l'exemple IEEE qui est le Institute of Electrical and Electronic Engineers defines Ethernet LANs. En d'autres termes, les concepts Ethernet, le modèle, le fonctionnement de l'Ethernet est défini par l'IEEE. Et du coup, TCP/IP ne va pas reprendre ce travail, il va juste prendre les concepts et intégrer dans ces documents. Donc, TCP/IP model creates a set of rules that allow all to take a computer out of the box, plug in all the right cables, turn it on, and connect to and use the network. Donc, il y a des règles qui sont définies. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que prenons l'exemple de Cisco. Cisco, c'est un vendeur d'équipement. On a également Juniper, ok? On a Nokia, on a Microtik, on a plusieurs fabricants d'équipements. Tous ces fabricants d'équipements, lorsqu'ils fabriquent les équipements, ils suivent les règles qui sont définies par TCP/IP ou encore par des organismes tels que l'IEEE. C'est ce qui permet que j'utilise un PC qui est Windows. Ce PC de Windows est connecté à un routeur fabriqué peut-être par Cisco ou un autre. Les deux permettent de communiquer parce que Windows, lorsqu'il fabrique ses PC, il doit aussi suivre les règles du TCP/IP. Donc, c'est ce qui fait la coordination, ok? Donc, voilà pourquoi on dit que c'est un réseau TCP/IP. Okay? Parce que lorsque nous repartons dans l'historique, on peut voir qu'il y avait d'autres types de technologies. Il y avait d'abord IBM dans les années 80, IBM, DEC, Other Vendors. Après IBM, DEC, TCP/IP, Other Vendors dans les années 90. Aujourd'hui, c'est TCP/IP. Okay? Ça veut dire qu'il y avait aussi des modèles IBM. Il y avait un modèle IBM, il y avait un modèle DEC. Aujourd'hui, le modèle qui a vaincu, c'est le modèle TCP/IP. C'est juste la façon que chaque modèle définit les règles de communication. On pouvait, si IBM avait vaincu, nous serons dans un réseau qui règle, nous serons dans un dans le contexte où le réseau, l'Internet, utiliserait le modèle IBM. Mais c'est TCP/IP qui a remporté la victoire. Donc, ça, c'est pour comprendre ce que c'est que TCP/IP. Maintenant, on dit que to help understand the networking model, each model breaks the functions into a small number of categories called layers. Okay? Donc, les functions are group
root into a small number of categories called layers. Ici, ce que cela veut dire, c'est que la couche 5 a des fonctions. La couche 4 a des fonctions. La couche 3 a des fonctions. La couche 2 a des fonctions. Et chaque couche joue des règles précises. Donc voilà pourquoi ils ont regroupé ces fonctions en des catégories. Et ces catégories sont appelées des layers. Donc lorsque nous parlons de layer 1, le layer 1 a un certain nombre de fonctions à jouer dans le réseau. La deuxième couche également a un certain nombre de fonctions à jouer. Ok? Donc ça, c'est une façon générale. Donc ici, par exemple, on dit que TCP/IP model shows the more common terms and layers used when people talk about TCP/IP today. The bottom layer focuses on how to transmit bits each over each individual link. The data link layer focuses on sending data over the type of over one type of physical link. Ok, la première couche se focalise sur la transmission des bits. La deuxième couche se focalise sur la transmission des data au travers de certains médiums physiques. For instance, networks use different data link protocols for Ethernet LANs versus wireless LANs. The network layer focuses on delivering data over entire path from original sending computer to final destination computer. Voilà pourquoi on dit que les couches, ok, nous pouvons le voir que les couches ici, les plus importants, c'est les trois premières couches. Et on va remarquer que le CCNA se focalise sur ces trois couches. Why? Parce que, sinon nous allons noter cela, nous avons l'application layer, cela dans ce petit tableau. Nous avons l'application non c'est pas ce que je veux Donc nous avons l'application. Dans l'application, nous allons sauter. Après, nous avons le transport. Et puis nous avons le network. Le network, on nous a dit transmission de la source. La source vers la destination finale. Data link, transmission des données au travers d'un média. Nous pouvons avoir le Ethernet ou le wireless. Ok, Ethernet, c'est un média, c'est les technologies de câblage physique, ou ça peut être wireless, le sans fil. Et puis après, nous avons le physical
qui s'occupe de la transmission des bits. Transmission des bits au travers d'une connexion. Donc, ici nous avons maintenant, il y a aussi les protocoles, ok, dans le contexte de ces couches, ok. L'exemple que nous pouvons donner pour chaque, ici nous avons HTTP, POP3, Simple Mail Transfer Protocol. Le préciser exemple de protocole. Au niveau de la couche application. Exemple de protocole au niveau de la couche transport. Nous avons TCP, UDP. Exemple de protocole au niveau de la troisième couche. Nous avons IP, ICMP. Exemple de protocole au niveau de la deuxième couche, nous avons Ethernet, Ethernet et 802.11.11, le Wi-Fi. Donc, si une question par exemple vous dit "802.11.11 c'est quoi ? C'est le Wi-Fi. Ok ? C'est le standard qui définit le fonctionnement du Wi-Fi. Donc, ça, ce sont un peu... c'est un exemple. Ce sont des exemples de protocoles et un peu quelques définitions de du fonctionnement de ces couches. Maintenant, après... on se focalise sur les couches, sur chaque couche. Par exemple, la couche application.